Un moment un peu difficile comme celui que nous sommes appelés à vivre actuellement. Quand la difficulté arrive dans nos vies, nous avons souvent l'impression de nous retrouver un peu sur une île comme Robinson Crusoe, un peu seul, perdu dans l'angoisse. Et c'est alors que le Seigneur nous dit: sors de ton île. Tu n'es pas une île. Tu fais partie d'un peuple. Tu fais partie d'une histoire. Un chemin de vie. Dieu t'offre un chemin de vie. Et ce chemin ne démarre pas avec toi. Ce chemin, c'est lui qui en est l'origine il y a bien longtemps. Rappelle-toi. Rappelle-toi de les merveilles, dit Dieu, que j'ai semé sur cette histoire, sur ce chemin. Et dans ce souvenir, eh bien, ne te dis pas, eh bien, je vais m'installer dans le passé. Oh, que c'était bien dans le passé. Non, non, non. Mais cette mémoire te permettra d'inventer un avenir, d'inventer demain, sur un chemin qui n'est pas simplement le tien, mais qui est le chemin de Dieu, une histoire sainte. Oui, frères et sœurs, nous sommes les maillons au cœur d'une histoire sainte, et le cœur même de cette histoire, c'est le Christ et sa résurrection. Prions le psaume merveilleux, le psaume 142, que l'Église nous invite à prier aujourd'hui. Elle est la plainte et la prière dans l'angoisse, donc la nôtre. Et vous allez voir comment l'Esprit de Dieu nous invite à prier dans l'angoisse. Seigneur, entends ma prière. Dans ta justice, écoute mon appel. Dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. Le souffle en moi s'épuise, mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois, je me redis toutes tes actions, sur l'œuvre de tes mains je médite, je tends les mains vers toi. Me voici devant toi, comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle, ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre, vers toi j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, j'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide en un pays de plaine. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de ta justice, tire-moi de la détresse.
Voyez quelle prière tellement actuelle, frères et sœurs, n'est-ce pas? Me voici devant toi comme une terre assoiffée et une terre qui se souvient. Je me souviens des jours d'autrefois. Je me redis la merveille de tes actions. Fais que j'entende ainsi, dès le matin, ta parole qui me dit aujourd'hui ton amour. Voyez, frères et sœurs, comme le croyons, nous, aujourd'hui, nous sommes invités à nous sentir sur ce chemin, à faire fonctionner notre mémoire pour construire et oser croire que le Seigneur nous invite à inventer l'avenir pour nous et pour nos enfants. Quand saint Paul, avec Barnabé, commence à parcourir le monde, vous allez voir qu'ils mettent à l'œuvre la même pédagogie. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, versets 13 à 25. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, la Turquie actuelle, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquaient à Paphos, à l'extrémité de l'île de Chypre, et arrivèrent à Pergé, en Pamphylie, la côte sud de la Turquie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Il avait peur. Quant à eux, ils poursuivirent leur chemin au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit signe de la main et dit, « Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Après avoir rejeté Saül, le premier roi, Dieu a pour eux suscité David comme roi et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Voilà donc Paul et Barnabé partis. Jean-Marc les abandonne parce que le chemin se fait difficile. Ils ont traversé Chypre parce que Barnabas, sans doute, a rencontré quelques vieilles connaissances. Il était originaire de Chypre. Et au bout de l'île, ils s'embarquent pour monter, traverser la mer, arriver sur la côte, cette petite ville de Pergé, et alors prendre la route vers le cœur de la Turquie, Antioche de Pisidie. 180 km de route de chemin difficile, très haute montagne, beaucoup de neige en hiver et des brigands toute l'année. Mais ils font ce chemin avec courage. Jean-Marc n'a pas osé. Et à Antioche de Pisidie, le jour du sabbat,
ils entrent à la synagogue. Il y avait donc des synagogues, des communautés juives, avec des craignants Dieu, c'est-à-dire des païens, qui s'étaient dans le cœur convertis au Dieu d'Israël, mais qui ne pouvaient pas devenir juifs parce qu'ils n'étaient pas nés juifs et ils n'avaient pas l'intention de se faire circoncire. Il y a donc là, voilà, une communauté juive et Paul, et il fera partout pareil. Il ira d'abord à la synagogue pour s'adresser au peuple juif, à ses frères, pensant et étant certain que le salut en Jésus est d'abord pour son peuple. Ils sont là et, après la lecture du prophète, de la parole, les chefs lui disent « Eh bien, qu'as-tu à nous dire ?» Et alors vous avez entendu ce premier discours de Paul. Il se lève et il se dit « Mais comment je vais leur parler de Jésus ?» Qu'ils ne connaissent pas. Comment se sentiront-ils concernés par ce Jésus? Eh bien, comme Jésus lui-même, le soir de Pâques, le leur a enseigné aux apôtres, il n'y a qu'un chemin, c'est leur faire comprendre que le Christ n'est pas un extraterrestre qui tombe comme ça du ciel, mais qu'il est lui-même, au nom de Dieu, le maillon central de leur histoire. Et de notre histoire, frères et sœurs. Paul, comme Pierre, le jour même de la Pentecôte, leur démontre, leur montre que Jésus est l'enfant de leur histoire. Ce peuple a cheminé, notre peuple a cheminé, leur dit-il, d'esclavage en esclavage, de libération en libération, selon le projet même de Dieu, un projet de salut de Dieu. Et ce projet de salut, il l'a réalisé à travers des hommes, des femmes qui ont guidé ce peuple, qui étaient, comme c'est si bien dit, des hommes selon le cœur de Dieu, les juges, les rois, Moïse qui a libéré le peuple et surtout David, le roi, selon le cœur de Dieu. Mais ces personnes, leur dit Paul, étaient déjà habités par un esprit qui n'était pas le leur. C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui a donné, en fin de compte, au peuple ce Jésus, qui est l'enfant du peuple, qui est le descendant de David, qui est le maillon central de cette histoire. Son esprit a déjà inspiré David, les juges, les prophètes. Et c'est lui, en fin de compte, qui va accomplir cette histoire sainte, qui va mettre au cœur de cette histoire une puissance de résurrection, déjà à l'œuvre en David, déjà à l'œuvre dans les grands prédécesseurs, mais que lui accomplit dans sa mort et dans sa résurrection, dans sa vie donnée, qui est vraiment la semence de la vie au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire sainte. C'est ainsi que nous pouvons comprendre que le Christ, frères et sœurs, est aussi au cœur de notre histoire, à nous. Je crois que cette lecture nous invite, dans notre histoire d'aujourd'hui telle qu'elle est, à nous dire que notre histoire est aussi une histoire sainte. Une histoire de péché et de malheur, souvent. Mais une histoire où nous pouvons découvrir les merveilles de Dieu. Où nous pouvons redécouvrir et nous mettre à la mémoire le visage de ceux et celles qui nous ont précédés. Et dans chacune de nos familles, dans chacun de nos villages, de nos villes, de notre pays, il y a des prophètes, il y a des personnes, il y a des visages, des anciens, des grands-pères, des pères, des mères, des grands-mères, qui portent sur elles
la splendeur de l'Esprit du Christ, qui nous l'ont transmis et qui ont fait de l'histoire de nos familles, de nos villages, une histoire sainte, l'histoire de Dieu, et qui ont fait de nous le peuple de Dieu. Je ne sais comment le dire autrement, mais vous sentez le message. Nous voilà invités, je crois, au cœur de nos difficultés d'aujourd'hui, à nous dire, mais nous ne sommes pas une île. Les anciens nous ont transmis une sagesse, une foi, qu'ils avaient eux-mêmes reçue, et qui continue à nous nourrir, si nous le voulons bien. Nous avons parfois la peine, les hommes modernes, les enfants d'aujourd'hui, nous avons parfois l'impression que nous venons de rien, et que nous devons de nous-mêmes inventer la vie. Mais ce n'est pas vrai. La vie, nous l'avons reçue. Et nous avons reçu de nos pères, de nos grands-mères, de nos grands-pères, de ceux qui nous ont précédés, des tonnes de sagesse, d'amour, d'exemples de vie. Vous voyez, hier après-midi, et c'est chaque fois, j'ai accompagné une famille au cimetière. On a accompagné une grand-mère, une maman, 90 ans, qui était quelqu'un dans cette famille. Et je leur ai dit cela. Mais vous voyez, elle s'en va là, mais elle ne part pas. Elle reste présente dans vos cœurs. Et tout ce qu'elle vous a montré, enseigné, tout ce qu'elle vous a donné reste vivant dans vos cœurs. Et à travers tout cela, c'est le Christ lui-même et son Esprit Saint qui reste vivant dans vos cœurs. Laissons-nous illuminer aujourd'hui. Regardons quels sont les hommes et les femmes de Dieu qui sont présentes dans notre histoire et qui nous éclairent aujourd'hui. Laissons-nous illuminer. Demandons au Seigneur de faire de nous humblement aussi ces hommes et ces femmes selon son cœur, remplis de son Esprit Saint, et qui, avec les autres, inventeront l'histoire d'aujourd'hui et de demain pour nous, nos enfants et pour nos petits-enfants. Je crois que c'est ainsi que nous serons non pas des gens angoissés dans leur petit coin, mais des gens remplis d'Esprit Saint, des gens remplis d'espérance et de confiance, en chemin avec ceux qui nous ont précédés, en chemin avec le Christ au cœur de notre histoire et qui nous insuffle l'Esprit Saint pour inventer demain. Que le Seigneur nous remplisse de cette confiance. Je voudrais vous inviter à prier dans cet esprit avec toute l'Église. Ô Christ, Fils du Dieu vivant, écoute ceux qui t'implorent. Nous t'en prions, Jésus ressuscité. Depuis la nuée lumineuse, tu éclairais ton peuple en marche. Sois pour nous aujourd'hui la lumière de vie. Par la voix de Moïse, tu as enseigné ton peuple sur la montagne. Sois pour nous aujourd'hui la parole de vie. Par le don de la manne au désert, tu as nourri ton peuple dans le désert. Sois pour nous aujourd'hui le pain de vie. Par l'eau jaillie du rocher, tu as abreuvé ton peuple. Donne-nous aujourd'hui l'esprit de vie. Voyez, toujours le même esprit. Grandir dans la mémoire de l'œuvre de Dieu qui accomplit son dessein d'amour hier comme aujourd'hui, afin de nous nourrir aujourd'hui de la parole et de l'esprit de vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Développons aujourd'hui, frères et sœurs, cette conscience de l'histoire, d'être les maillons d'une histoire et d'une histoire sainte, où Dieu accomplit son projet par Jésus le Christ, qui nous donne son Esprit Saint. Je rappelle simplement que j'ai à la maison une soixantaine de masques faits par les frères et par les sœurs. Ils sont disponibles sur la table derrière le presbytère. Venez vous servir. Sonnez à la porte, demandez 1, 2, 3, 4, 5 masques pour en distribuer autour de vous. N'hésitez pas, je suis présent toute la matinée. Et ce soir, à 18h30, nous célébrerons l'Eucharistie. Et si vous passez à l'église, devant l'église, aux heures d'ouverture, 8h, 9h, 18h, 19h, il y a des masques à prendre au fond de l'église. Venez vous servir. Cela nous aidera à comprendre que nous ne sommes pas une île, mais que nous nous entretenons et que, ensemble, l'histoire sainte d'aujourd'hui va se faire.